Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau partage scriptural. Déjà, joyeuse année 2023. Je m'appelle Soraya Ayouch, je suis membre du comité de parrainage Dialogue et Alliance. Et comme je vous le dis souvent, je suis psychologue clinicienne, membre de la fondation Mozaqa Tariqa Qadiriyya Bouchichiya. Je suis assistante de professeur d'un professeur de Paris 7, Université de Paris, et j'ai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Notre programme est diffusé sur Facebook et sur plusieurs pages, aussi bon sur Zoom, mais sur plusieurs pages Facebook. Et nous avons appris ce matin que nous avions 24 pays d'inscrits. Parmi eux, nous avons des personnes de Bamako, du Mali, de Genève, en Suisse, du Kinshasa en République démocratique du Congo, du Laos dans les Hauts-de-France, différents endroits et personnes qui ont l'habitude de nous suivre déjà depuis un certain temps. Lyon et bien sûr ici Paris. En 2022, notre thème était « Vivre avec Dieu au quotidien ». Et en 2023, notre nouveau thème est « Cultivons la paix au quotidien ». Pour vous en dire un peu plus, j'invite Jean-François Moulinet, coordinateur de notre forum interreligieux Dialogue et Alliance, qui va nous donner le cadre d'ouverture qui propice peut-être à de bonnes résolutions cette année. Merci beaucoup Soraya. Bonne année à toutes et à tous, 2023. Donc, vous savez, l'an dernier, c'était l'année du tigre. Donc, c'était une année extrêmement dynamique. Et bon, le tigre, il n'est pas trop prévisible. Mais cette année, on rentre dans l'année du lapin. Donc, mes amis, et le lapin noir. Donc, mes amis, spécialement mon épouse, qui sont orientaux, peut-être que Michel Taochen peut dire aussi quelque chose dessus. Le lapin noir, l'année du lapin noir, apparemment, ce sera une bonne année, une année douce. Le lapin, il est très gentil. Et donc, nous, on a créé un thème, c'est parce qu'en France, on veut être un peu différent des orientaux, quoi. Donc, nous, notre lapin, on l'appelle le lapin futé. On a un bison futé, tout ça. Nous, c'est lapin futé, quoi. Donc, on va essayer de faire ça pendant cette année-là. Donc, il y a quelques jours, en décembre, ça, c'était ma table, donc j'étais devant mon cahier en train d'écrire mes résolutions pour l'année 2023, ce que j'allais faire. Et bon, j'étais un peu sur une page blanche. Et comme j'arrivais pas, en général, je m'aide de certains livres. Donc surtout en fin d'année, vous avez beaucoup de livres sur comment prendre de bonnes résolutions, etc., etc. Et donc là, j'en ai quelques-uns. En particulier, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est ce livre-là de Onur Karapinar, qui s'appelle « Petites habitudes, grande réussite ». Et le sous-titre, c'est « 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même ». Donc, dans ce livre, il explique... Bon, je voulais l'inviter aujourd'hui, mais il n'était pas libre. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'il explique que tout commence par nos habitudes. Et dès les premières pages de son livre, l'introduction, il cite des phrases de Lao Tzu, le sage chinois Lao Tzu, qui explique combien il est important de faire attention à nos pensées, à ce que nous pensons, parce que ce que nous pensons, ça devient nos mots, de faire attention à nos mots, parce que nos mots vont devenir des actes, de faire attention à nos actes, parce qu'ils vont devenir des habitudes, et donc moi je vais insister beaucoup sur les habitudes, et de surveiller nos habitudes, parce qu'elles vont devenir notre caractère, et notre caractère va devenir notre destinée. Donc, je me suis posé des questions. Donc, dans son livre, ce livre-là, il est extrêmement intéressant parce qu'il vous donne beaucoup de bonnes habitudes, beaucoup de petites habitudes
à pratiquer. Dorian, je pense que tu l'as, je pense. Hein. C'est pour ça que tu réussis, j'espère. Mais bon, ce qui est amusant, c'est que ce livre-là, je l'ai, mais c'est dur à mettre en pratique, en fait, dans la réalité, parce que on sait que c'est bien, mais adopter de l'habitude, ce n'est pas toujours très facile. Donc, ce livre-là, c'est intéressant pour les gens qui font des affaires, par exemple dans le business. C'est intéressant dans beaucoup de situations pour réussir. Mais pour moi, ce qui est important, en début de cette année, ce que je me suis posé comme question, c'est qu'est-ce que je peux adopter comme bonnes habitudes pour construire la paix, pour réaliser la paix? Est-ce qu'il y a des attitudes que je peux avoir pour réaliser la paix autour de moi? Donc, ça ne marche pas. Victor, excuse-moi. Non. Est-ce que c'est ça qui ne marche pas? Oui. Donc, quelles sont les habitudes qui favorisent la paix? Donc, ce qui est intéressant, c'est notre ami Laurent Ladouce me fait souvent remarquer qu'il y a deux sortes de paix. Il y a par exemple un sociologue norvégien, Galtung, qui dit il y a le concept de paix, la paix positive et la paix négative. Moi, je dirais plutôt la paix active ou la paix plutôt passive, quoi. La paix passive, c'est qu'il n'y a pas de conflit. La paix positive, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour créer volontairement la paix. Donc c'est dans cet esprit-là que je voudrais travailler cette année. Alors, vous savez que je suis membre du mouvement de l'unification. Et le mot unification, enfin, il y a beaucoup de mots, comme je fais beaucoup de traductions, souvent les traductions sont compliquées. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'était réunis ici, on avait parlé du nom de Dieu. Comment parler de Dieu? Est-ce qu'on parle de Dieu Père, de Dieu Mère, du Dieu Père-Mère, etc. Et on est arrivé à la conclusion que peut-être, enfin moi c'est ma conclusion, c'est qu'une des meilleures traductions de Père-Mère, c'est le coréen en fait. Hanul Pumonim. Pumu, c'est Père et Mère en un seul mot. Donc là aussi, unification, en coréen, ça se dit tongil, mais c'est très simple. Vous voyez le symbole à gauche. Il est extrêmement clair. Là, on comprend, en tout cas moi, je comprends beaucoup mieux à travers ce symbole-là que simplement unification. Donc mon épouse m'a expliqué que dans le signe à gauche, la première partie, ça veut dire le fil. C'est un fil. Et la deuxième partie, c'est coudre. Enfin, c'est coudre ou assembler. Donc, c'est coudre, et le trait horizontal, c'est l'unité. Donc, c'est coudre pour amener à l'unité. Donc, je me dis, moi qui suis unificationniste, ou le mouvement de l'unification, le but du mouvement de l'unification, c'est de repriser ou de recoller les pots cassés. C'est de recoller tout ce qui a été brisé. Et il y a beaucoup de choses qui ont été brisées, en fait. Donc on doit recoller des choses au niveau individuel, mais jusqu'au niveau mondial. Donc le fondateur du mouvement de l'unification, le révérend Sun Myung Moon, disait une phrase qui me plaît beaucoup, qui m'inspire toujours beaucoup. Mon plan de paix commence au niveau de l'individu. Nous devons d'abord trouver la paix avec Dieu, puis la paix avec notre prochain, et finalement, nous pourrons construire et assurer la paix mondiale. Donc c'est pour ça si vous connaissez bien notre mouvement, vous verrez qu'on travaille dans tellement de domaines. Donc on travaille dans des domaines au niveau individuel, mais on travaille aussi pour les familles, pour la société, pour réunir, pour recoudre au niveau national ou au niveau mondial. Donc, quand on voit le ministère du révérend Moon, on voit qu'il a suivi ce plan.
Donc, au tout début, en 1954, il a fondé, pour susciter un réveil spirituel, il a créé une association plutôt religieuse. C'était l'Association de l'Esprit-Saint pour l'unification du christianisme mondial. Ça, c'était en 1954. Mais il n'est pas resté là, il n'est pas resté seulement sur une église. Une des premières choses qu'il a faites, c'est un mouvement de jeunes. Il pensait à Dorian, il pensait à Modeste, il pensait à tous les autres. Donc il a créé la première association autre qu'il a créée, c'est le CARP, association étudiante, le CARP, la Fédération des Jeunes pour la Paix, et maintenant c'est devenu l'Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix. Donc ça, c'était vraiment son but, pas seulement qu'on fasse un mouvement religieux, c'est quelque chose qui puisse influencer dans un bon sens les jeunes et la société. Deuxième association qu'il a faite en 1992 avec son épouse, c'est la Fédération des femmes pour la paix. Donc, il veut trouver comment chaque personne peut contribuer à la paix dans son domaine. Donc, il y a la Fédération des femmes pour la paix. Ensuite, il a fait la Fédération des familles pour la paix, parce que la famille est extrêmement importante. Et finalement, la Fédération pour la paix universelle a été fondée en 2005 et travaille à beaucoup de niveaux. Alors, la photo, c'est une conférence qu'on a faite à l'UNESCO il y a quelques années. Et donc la Fédération pour la paix universelle se base sur 5 principes universels pour la des ambassadeurs de paix. Donc vous connaissez, c'est la croyance en Dieu, la nécessité de la spiritualité, l'importance de la famille, l'importance de l'altruisme et de l'unité et de la coopération entre des personnes de différents bords. Donc ça me plaît beaucoup. Les principes me plaisent beaucoup. Mais je pense qu'il faut aussi, pas seulement qu'on reste dans les principes, qu'on dise oui, il faut la paix, il faut aussi qu'on fasse quelque chose concret pour réaliser la paix, quoi, concrètement, chaque jour. Donc, vous savez que sur la base donc, de la Fédération pour la paix universelle, il y a maintenant sept associations qui ont été créées, qui travaillent. Donc, justement, la paix, c'est pas seulement quelque chose qui concerne les religieux. On doit travailler concrètement avec les présidents ou les personnes importantes dans chaque pays. On a travaillé avec les parlementaires, on a travaillé au niveau interreligieux, on a travaillé avec les médias, avec les universitaires, avec ceux qui s'occupent d'économie et avec ceux qui s'occupent d'art et de culture. Donc il y a tous ces événements. Bon, je trouve que c'est malheureux qu'en France, on ne connaisse pas assez tout cela. On ne connaisse pas assez tout ce que le fondateur a fait. Mais c'est réel, quoi. Essayer de voir plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous travaillons, en tout cas avec Dialogue Alliance, on travaille en partenariat avec d'autres associations. Donc, il y a une association qui s'appelle l'Initiative des Religions Unies, et elle insiste beaucoup sur la coopération interreligieuse quotidienne et durable. Donc ça me stimule beaucoup. Le matin, je me réveille et je me dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour la paix, à mon niveau, quoi. Bon, vous savez, l'association aussi à Genève. Mais dernièrement, actuellement, je suis en train de travailler avec une fondation anglaise qui s'appelle Rose Castle Foundation. Rose Castle parce qu'ils ont un château qui est rose, qui, vous savez, c'est des pierres volcaniques. Et eux, ils sont spécialistes dans la réconciliation. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont travaillé pendant des dizaines d'années sur ce thème de la réconciliation, et ils ont identifié 12 points sur lesquels on peut travailler, justement, au niveau 12 habitudes pour cultiver la paix chaque jour, la paix au quotidien. Donc, c'est pour cela que cette année, en 2002, notre thème, c'était vivre avec Dieu au quotidien. Et cette année 2023, moi je propose cultivons la paix au quotidien. Alors d'abord, au lieu de marquer cultiver, ER, je préfère marquer cultivons.
parce que ça nous engage plus, quoi. Cultivons la paix au quotidien. Alors, où est-ce qu'on va la cultiver, en fait? On va la cultiver à tous les niveaux, mais d'abord, on va la cultiver en nous-mêmes. Et comment on va le faire? On va faire comme on l'a fait déjà jusqu'à maintenant, sur la base de textes fondateurs des grandes religions. Donc, on a déjà commencé à travailler sur des textes de la Bible hébraïque, du Nouveau Testament, du Coran et aussi d'autres religions, du bouddhisme, etc. On voudrait travailler là-dessus. Donc ça, c'est ce qui me motive et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Tout à fait à la fin, vous aurez notre email. Et moi, je pense que c'est si on fait ça cette année, je ne veux pas que ce soit trop intellectuel ou comme réunion ce qu'on va faire, mais que vraiment on travaille premièrement sur nous-mêmes et qu'on cultive la paix au quotidien de cette manière-là. Donc là, vous avez certains des thèmes, les 12 habitudes. Vous avez par exemple l'hospitalité, le pardon, la gratitude, l'empathie, la générosité, etc. On pourra détailler tous ces points petit à petit pendant l'année 2023. Voilà. Quand je marque où le faire, c'est en nous-mêmes. Parce que j'avais un de mes amis pasteurs, dans ma jeunesse, pour me stimuler à faire de bons sermons, il me donnait deux points. Il me dit, premièrement, un bon sermon, c'est un sermon qui va te toucher toi-même d'abord. Si tu fais une chose super intellectuelle, mais l'important c'est que ça te touche toi-même, quoi. Que tu sois interloqué toi-même, quoi. Que tu sois d'abord touché toi-même. Et le deuxième point, il me disait, pour un bon sermon, c'est un sermon qui soit utile le lundi matin. Il me dit, souvent les gens, ils assistent au sermon, et puis ils oublient, quoi. Donc il dit, fais quelque chose qui serve pour le lundi matin. Donc là, aujourd'hui, je fais quelque chose qui puisse vous servir pour les 365 jours qui viennent. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Jean-François Moulinet, de ces mots, encore une fois, qui nous rappellent l'importance du tissage, tisser, en lien à religare, relier, lier, attacher, qui est le propre du partage scriptural qui se travaille sur les textes, sur les mots, sur l'interprétation. Nous allons maintenant écouter une courte pause musicale, avoir une pause musicale, par la chorale Nouvel Espoir de la République démocratique du Congo. Cette chorale est une branche des New Hope Singers International, Tongil, fondée en 1978. Elle est dirigée depuis deux décennies par M. José Mozart Mbungi. Les mots, les noms ne sont pas là par hasard. Son répertoire est composé de chants résonnant à d'autres cultures internationales, de chansons patriotiques, de chansons de paix, de chansons chrétiennes profondes telles que les Holy Songs, et l'accent est mis sur la parenté. Ils sont 25 à 30 choristes, la majorité membres de la communauté sainte du Parent Céleste, donc l'accent, l'importance de la parenté dans chaque culture. Vous les écoutez. Don't give me your heart.
Nous allons maintenant écouter le vénérable Michel Taochan sur ce sujet. Le vénérable Michel Taochan est président fondateur du Cercle de réflexion des Nations, organisme issu des Nations Unies dans la même perspective de construction de la paix. C'est un connaisseur fin et averti des religions et spiritualités dans leurs aspects théologiques, monastiques, dans leur profondeur et leurs liens. Impliqué aussi dans la vie profane, Michel Taochan est un homme qui aime construire, œuvrant à de grands projets qui ont du sens, œuvrant à des projets pour tous. Nous vous encourageons surtout à écrire au fur et à mesure dans le chat vos questions et à quels orateurs elles s'adressent. Et si vous êtes en présentiel, merci d'écrire aussi vos questions. Bonjour à vous tous. Je voulais continuer sur l'image du lapin noir. En fait, 2023, c'est l'année du lapin noir, ou dans certains pays, c'est le chat d'eau, comme au vietnamien, au Vietnam. En fait, qu'est-ce que ça signifie exactement ? 2022, 2023, 2022, le tigre, ou parfois c'est l'attitude également du renard. Imaginons un renard qui court derrière un lapin. Le renard ou le tigre a énormément de choix. Il peut attraper le lapin ou il ne peut pas attraper le lapin. C'est comme ça que 2022, nous sommes complètement éparpillés devant les différents choix et on ne sait pas comment choisir. L'année du lapin, le lapin n'a pas de choix. S'il est attrapé, il est fini. C'est pour ça que l'année 2023, l'année du lapin, c'est une année où il faut prendre des décisions et aller vite. Il n'y a pas de plan B. Tout est plan A. Parce que c'est le signe de la survie. Voilà l'année 2023, l'année du lapin. C'est une année où il faut prendre des décisions. Même pour la paix, il faut avoir des actions. On n'a plus le choix de faire ce qu'on appelle des philosophies sans fin. Cette année, l'année 2022, il y a un phénomène qui passe inaperçu par beaucoup de gens. C'est un phénomène de librairie de l'année. Un événement, un succès historique, parce qu'il y a un BD, un bande dessinée, ça s'intitule « Un monde sans fin, mais pas sans faille ». Et ce BD est vendu à plus de 500 000 d'exemplaires. C'est jamais vu en France. Qu'est-ce qu'il raconte ce BD ? C'est un peu l'environnement, la guerre de l'Ukraine, les positions pro-nucléaires des différents États.
Mais je pense qu'il manque quelque chose de très important pour l'année 2023. Ils ont très peu d'écrit sur ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on vit, c'est la guerre des médias, des propagandes, qui nous déboussole complètement notre recherche de la paix en soi. Et bien sûr, de la paix dans le monde. Donc, cette année, je pense souhaiter au monde la pandémie de l'amour infini. De vivre ensemble, de vivre bien la paix, en action. Ce que Jean-François Moulinet a parlé sur la phrase de Lao Tzu, c'est une phrase pas seulement dans la pensée, mais comment l'action, comment on peut le mettre en action de l'intérieur de nous et de l'extérieur de nous. Il a écrit ça, je l'ai vu, mais j'ai dû travailler 10 ans pour comprendre la phrase de Lao Tzu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir comprendre cette phrase à la fois en esprit, en action et être responsable des conséquences de nos actions, ben il faut aller un peu plus au fond de cela pour comprendre les causes, les facteurs conditionnels et inconditionnels dans nous et dans le monde. Comment on peut comprendre tout ça? Chez les bouddhistes, dans le bouddhisme, il y a un grand sutra qu'on appelle le Patika Samuppada, qui traite, donc beaucoup d'entre vous ici qui le savent, Sariputta, Soraya, que j'ai passé des années à leur expliquer. Et le Patika Samuppada, c'est en quelque sorte, traite l'origine conditionnelle de tous les phénomènes. Très peu de grands maîtres, même dans le bouddhisme et d'autres, ne veulent pas trop expliquer. Mais aujourd'hui, j'essaye de vous dire en quelques mots. Donc, dans le bouddhisme, c'est le Patika Samuppada que certains peuvent trouver dans le sutra du cœur, qu'on avait déjà le temps d'expliquer en long et en large comment on peut comprendre le sutra du cœur. La majorité des pagodes citent ce mantra-là jour et nuit. Mais pour aller au fond en action pour soi-même, c'est autre chose. Et très peu de gens l'expliquent. Il y a le maître Tinghua à San Francisco, qui est déjà décédé, qu'on pense que c'est un Bouddha vivant. Il y a Thich Nhat Hanh, le village des pruniers, qui a cité. Et puis il y a Thich Thich Hanh, c'est celui qui a fait des recherches pendant 60 ans et qui est le patriarche de la pagode de Linshun, qui est également a passé il y a 5-6 ans, qui a pu traduire de la langue chinoise classique en vietnamien, et il a traduit à peu près 210 livres de 1000 pages. Donc c'est mon maître de Mahayana en France. Il y a également, aller à fond de ça, il y a le Vedanta, que j'ai appris avec Swami Aseshananda, Savi Metamonanda, à travers le livre de l'euphorisme de Pantanjali. En islam, il y a Sidi Hamza, qui était mon maître, Sidi Jamel et Sher Abadi, à travers la sourate Yassine, la sourate 36, et le Fatiha. On aborde ces problèmes profonds du comportement en action des êtres. Dans le taoïsme, ce que Jean-François a décrit,
C'est vraiment une histoire personnelle. Il y a, en 2012, je suis allé chercher réellement qu'est-ce qu'il veut dire et essayer de trouver un maître de taoïsme qui m'explique ce que François a écrit. Et je suis allé à Mongkincheng, qui est l'un des berceaux du taoïsme en Chine, il y a 10 ans. Et qui se trouve à peu près 65 kilomètres de la ville de Chengdu, avec des arbres millénaires. Et puis, il y a le statue de Lao Tzu qui est là. Et dans les traditions de cette zone, on dit que Lao Tzu n'a jamais, est toujours là. C'est pour ça que je suis allé la voir. Pendant 10 jours, je fais la queue. Et pendant 3 jours, je suis allé directement par la présentation des grands maîtres bouddhistes là-bas. Et ce grand maître m'a donné une chose, après 10 jours d'attente. Il m'a donné un objet. Un seul objet que je trouve très joli, mais je n'ai pas compris. Cet objet-là, c'est une pierre avec un poisson doré et une libellule. Voilà ce qu'il m'a transmis et j'ai mis 10 ans à comprendre un peu ce que c'est et ça explique exactement l'esprit, l'action et les conséquences de ce qu'on met dans la spiritualité en action, la paix en action. Il a donné ça avec une seule phrase. Il m'a vu pendant 2 minutes. Il m'a mis ça avec une phrase. La phrase est, qui explique tout ça, c'est il y a une seule phrase. Alors, j'ai dit que j'avais la même durée de vie que toi. Tout est un. Vous et moi n'avons aucune différence. Le passé est le futur et le moment est pour toujours. Voilà, c'est tout ce qu'il a mis avec le voyage, mes 10 jours d'attente et plein de choses. Donc, j'ai passé presque 10 ans à étudier ce cadeau. On ne peut pas dire empoisonnant, mais terrifiant. Et comment je vais vous expliquer cela? À travers une histoire très simple. Donc je prends 3 minutes en plus. Hein. C'est l'histoire de la libellule et la carpe dorée. Cette histoire vous permet de comprendre tout ce phénomène dont j'ai pris 5 minutes. Pas 3. Pendant l'été chaud, la libellule se repose sur un bouton floral dans l'étang de lotus. Un poisson doré, le quoi, nage tranquillement sous la feuille du lotus, crachant des bulles et en jouant. En voyant la libellule, elle nage avec enthousiasme. Hé, libellule, que diriez-vous de jouer ensemble? Oh non, je suis fatigué et j'ai trop de repos. Oui, après tout, votre durée de vie n'est que 4 mois, alors que vous devriez vous dépêcher. Moi, je peux vivre 200 ans, la carpe. Il y a beaucoup de temps. La libellule l'a regardé calmement et a dit, « À votre avis, votre durée de vie est différente de la mienne. Mais à mon avis, notre durée de vie est la même. » Le poisson a demandé avec curiosité, « La vie doit être longue et courte, comment peut-il être de même ?» La libellule, « La vie est composée d'un corps, un esprit et une âme. Vous ne trouvez pas d'objection.
Le poisson réfléchit en étant « Oui, je suis composé de mon corps et de mon âme. » La libellule dit « Commençons par le corps. » En fait, il n'y a aucune différence entre moi et ton corps. Et pourquoi dit-on cela? Notre naissance est de la nature. Notre croissance est même dérivée de la nature. Et de notre mort finit par revenir à la nature. Notre corps ne nous appartient pas, il appartient à la nature. Voilà un fait qui prouve que notre corps ne nous appartient pas. Notre naissance n'est pas sous notre contrôle. Notre croissance n'est pas sous notre contrôle. Notre mort naturelle n'est pas sous notre contrôle. On peut dire que notre vie n'est pas sous notre contrôle. Donc notre corps n'est pas le nôtre. De ce point de vue, puisque le corps de chacun ne s'appartient pas, il appartient à la nature. Alors en fait, notre corps est la nature. Vous et moi sommes physiquement indiscernables. En parlant de cela, la libellule s'arrêta un instant pour laisser le poisson digérer. Puis dit, nous venons de dire que nous sommes identiques de la nature dans le corps. Parlons maintenant de l'âme. Nos âmes ne changeront pas. Pourquoi dites-vous cela? Notre âme vit dans notre corps, mais le corps change constamment. Mon corps d'hiver est différent du corps d'aujourd'hui. Le corps d'aujourd'hui est différent du corps de demain. Si l'âme change avec le corps, alors que je réaliserai que je suis mort hier et que je suis vivant aujourd'hui. Cependant, ce n'est pas le cas. Au contraire, dans notre vie, lorsque notre vie est terminée, nous pensons toujours que le corps, à ce moment et à la naissance de ce corps, cela signifie qu'il n'y a pas de relation causale nécessaire entre l'âme et le corps. Ce sont des existences différentes. L'âme n'a pas changé du début à la fin. C'est une existence éternelle. La nature est infinie et changeante. Lorsque mon âme est intégrée à la nature, elle aura une durée de vie infinie. Lorsque je suis intégré à un serpent, il aura la durée de vie d'un serpent. Lorsqu'il est intégré à une tortue, il aura une durée de vie infinie. Avoir la durée de vie d'une tortue. Et lorsqu'elle est intégrée à un poisson, elle aura la durée de la vie d'un poisson. Bien sûr, lorsque notre âme est intégrée à une libellule, elle aura la durée de vie d'une libellule. Alors, la moralité, l'enseignement, c'est alors j'ai dit que j'avais la même durée de vie que toi. Tout est un, et vous et moi n'avons aucune différence. Le passé est le futur, et le moment est pour toujours. Voilà le souhait, un peu ce qu'on appelle la pandémie de l'amour, et partager tous ensemble la paix de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais résumer encore cette histoire en deux phrases par l'enseignement du Vedanta. Pour avoir la paix de l'esprit, ne voyez pas les défauts d'autrui, voyez plutôt les vôtres. Apprenez à considérer que l'univers tout entier n'est pas différent de vous-même. Personne ne vous est étranger. Le monde et vous-même, c'est tout un. La dernière phrase, c'est que je voulais partager avec vous ma pratique personnelle dans ce domaine-là. Ben, le matin, je prends 5 minutes pour prier dans le refuge dans le bouddhisme, ou parfois c'est le fatiha pour l'ouverture. Et le texte sacré pour l'application de ça, c'est « Prends refuge dans un domaine où vous pouvez être en paix avec vous ».
Donc, le refuge dans le bouddhisme, c'est le mantra qui est le plus important. Je citerai après. Et après, pendant la journée, je fais très attention au salut. C'est-à-dire, lorsque je dis bonjour à quelqu'un, je prends très attention à dire bonjour à quelqu'un. Quand je vois un musulman, je lui dis bonjour, salam alaikum, avec ma main sur le cœur et l'image de Dieu sur mon cœur. Et je prends le temps de le mettre dessus, peut-être 30 secondes de plus, peut-être une minute de plus, pour regarder dans mon cœur, qu'il soit calme et lui dire bonjour. Ça, c'est le salut. À midi, au déjeuner, je cite le mantra du Vedanta que je vous ai cité tout à l'heure. Au dîner, je cite le mantra que j'ai cité tout à l'heure. Ça prend 4-5 minutes, me permettant d'être très calme et manger des choses très calmes. Et le salut, pendant toute la journée, à chaque fois que je vois quelqu'un, je prends le salut. Le salut avec les musulmans, le salut avec les bouddhistes. Je mets la main, mais je prends le temps. Je prends le temps pour le saluer en regardant à l'intérieur de moi pour que je puisse le considérer comme le Bouddha qui est en face de quelqu'un, pour que je le respecte et mon âme soit très calme. Et j'ai commencé à discuter après avec cet état. Et dans le soir, avant de dormir, je cite également le mantra du bouddhisme. Buddham saranam gacchani, dhammam saranam gacchani, sangham saranam gacchani. Tout ce temps avoué à cela me permet d'avoir de calmer, de travailler tous les jours, et tous les jours je perfectionne cela. Donc c'est ce que François a dit, c'est la pratique de la paix intérieure à soi chaque jour et quotidiennement. Voilà, je vous remercie. Merci de ces paroles qui amènent à méditer profonde. Nous allons maintenant écouter un chant qui nous permettra d'écouter et de revenir sur ces paroles, ces métaphores, ces symboles et cet enseignement. Nous avons chanté la paix, nous avons prêché le bien, éduquant la société avec la vérité. Maintenant le monde entier s'achemine vers l'harmonie. Nous devons changer nos vies et nos mentalités. À ceux qui ne veulent pas changer, changer les vies. Soyons responsables et vivons, vivons le bien, car Dieu qui nous aime descendra parmi nous. Il n'y a point de paix sans Dieu, le meilleur de tous les siècles. Il avait changé la vie
Alors nous vous encourageons toujours à écrire au fur et à mesure vos questions. Michel Taoutchan vous répondra ainsi que les autres orateurs présents. Maintenant, M. Mohamed Arbi Hawat va venir nous parler. M. Hawat est docteur d'État. Il a fait des études stratégiques sur les relations internationales du monde arabo-musulman. Il est président d'ASILEC, Association de solidarité pour l'intégration par les langues, l'éducation et la culture. Monsieur Arbi. السلام عليكم ورحمة من الله. السلام c'est-à-dire la paix. Le concept de paix en islam est lié au mot salam. Mais que signifie-t-il ce salam? Comme vous savez, l'islam est arrivé après d'autres religions en Arabie. Il y avait déjà la religion, les bouddhistes, il y avait la religion juive, il y a le christianisme, mais il y a aussi une autre religion, le tribalisme. Ce tribalisme était vraiment féroce. Il y avait des guerres. Parfois, des guerres au sein de la famille elle-même. Un père va enterrer sa fille vivante à l'aube de l'islam. Le deuxième calife, Omar, il était c'est une tradition. Tradition parce que une fille, elle est malvenue dans la société. C'est une grande responsabilité. Donc, il faut se débarrasser. L'islam est venu pour effacer ces conflits avec autrui et au sein même de la famille. Il dit que ce n'est pas possible d'enterrer une fille très jeune. Alors, Omar, il était en train d'enterrer sa fille, elle était en train de jouer avec sa barbe. Vous voyez là, c'est cette finesse, comment la contradiction était assise en Arabie. Donc, c'est à partir de là que le symbole de l'islam était la paix intérieure de l'individu. Parce que la paix ne peut être sociale, ne peut être nationale, ne peut être internationale, que si elle a déjà des assises
en soi-même. C'est à partir de soi-même qu'on part vers l'extérieur. Ainsi, la paix est l'usage de salutations chez les musulmans. Le prophète disait « Ô homme, répondez le salut donné, liez les proches, priez et enterrez les conflits. » Ainsi, ça veut tout dire. Comme vous savez, la paix au quotidien, c'est un thème porteur, surtout en 2023, au moment où on a déjà, sur la périphérie de l'Europe, une guerre. Et ailleurs aussi, c'est pas seulement en Orient, mais aussi peut-être au Maghreb, en Afrique. Il y a tellement de guerres et il y a aussi des firmes de la construction de cette guerre. Donc c'est pourquoi l'UNESCO a fait son symbole les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Donc c'est à nous tous, c'est une responsabilité personnelle avant qu'elle soit une responsabilité collective. La paix, elle est génératrice d'une source primordiale pour la sécurité, pour la stabilité, pour la solidarité participative, pour l'économie, que ce soit économie familiale, que ce soit économie sociale et, ou économie nationale et internationale. Tout se base sur la paix. À partir de la paix, il y a la sécurité et il y a la confiance. Et avec la confiance et la sécurité, on commence à mieux vivre ensemble. Donc, merci pour ce choix. C'est un choix primordial. Ce matin, mon ami m'a appelé parce que quelqu'un qui devait prendre la parole aujourd'hui, il est défaillant. Alors j'ai dit oui, je viens. Même si c'est pour quelques heures, je viendrai. Et c'est pourquoi je suis parmi vous. Donc là, à Médine, quelques minutes avec à Médine, entre 622 et 632, le prophète a réuni à Médine les tribus juives et les tribus chrétiennes et les tribus musulmanes ensemble à Médine pour étudier une constitution. C'était la première constitution écrite. Comment vivre ensemble et partager les responsabilités de l'État. Ainsi, c'était la constitution de Médine. C'était la première constitution écrite dans le monde. Et cette constitution, c'était le partage du pouvoir. C'était une véritable démocratie naissante en 622, au moment où le mot n'existait pas déjà. C'était dans la Grèce, on parlait de la démocratie, mais c'était une démocratie d'une autre manière. Donc là, avec l'arrivée du Coran, il y a pas mal de sourates qui nous tracent le cheminement vers la paix. Mais c'est surtout une paix qui commence par soi-même et par l'environnement. Parce que tu dois aussi penser à ton voisin avant toi-même, avant
c'est le voisin, la famille. Et cette liaison, ça commence comme on a déjà vu, c'était par un passage graduellement et non pas d'une manière brute, une manière brutale. C'est-à-dire, c'est tout doucement, pour construire. C'est une construction à long terme et non pas une construction à la hache. Alors, dans le Coran, on apprend « Ô homme, nous vous avons créé à partir d'un mâle et une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissez. Le noble, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. » C'est la sourate Al-Hujurat. Donc là, vous voyez, le Coran ne dit pas aux musulmans, il dit les hommes, d'une manière générale, d'une manière globale, d'une manière universelle. On ne connaît pas autrefois qu'est-ce que c'est l'universel, mais vous voyez là, dès le début, c'est on trouve aux les hommes. Un hadith qui soutient cette image, le hadith, c'est les paroles du prophète. Homme, votre Dieu est un et un. Vous descendez tous d'Adam, et le plus noble d'entre vous devant Dieu est le plus pieux. Un arabe ne se distingue d'un non-arabe que par la piété. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il faut essayer de ne pas faire une classification. Celui-là, il est arabe, et l'autre, il est non-arabe, l'autre, il est polonais, l'autre, non. Là, il essaye de réduire ces obstacles, que peut-on dire des obstacles épistémologiques. L'islam promet à toute l'humanité pour en faire d'elle une entité solidaire où tous les humains vivent comme une seule famille. Et le révérend Moon a toujours insisté sur cette cellule. La cellule sociale, c'est la famille. Et le Coran insiste dans cette sourate pour dire que la base, c'est la famille, c'est cette cellule-là. Donc, la communauté humaine, nous sommes tous de la même famille. Ne tuez qu'en toute injustice la vie que Dieu a fait sacrée. C'est-à-dire cela, il insiste sur que la sacralité de la vie humaine, quelle que soit la couleur de la personne, quelle que soit sa religion, que ce soit juif, que ce soit musulman ou chrétien, sont tous des êtres humains. Une fois, le prophète était assis avec ses sahaba, c'est-à-dire ses compagnons. C'est-à-dire une des funérailles d'un juif qui passait. Alors, il se met debout et comme ça, il s'incline. Alors, les sahabes lui disent, « Mais, prophète, c'est un juif. » Je dis, « Alors, c'est un juif, c'est un être humain, c'est une âme, c'est une personne qui nous quitte vers Dieu. Donc, il faut honorer la personne humaine, quelle que soit sa religion. » Alors il dit encore, « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres, avant de demander la permission et saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous vous souvenez. » Ça, c'est la sourate Al-Nur.
Pourquoi le Coran insiste pour ne pas faire l'ingérence dans les familles. Vous voulez visiter une famille, vous visitez un voisin, vous visitez quelqu'un, il faut au moins que la personne qui va vous recevoir est au courant. Et d'autre part, il faut être habile, il faut saluer ceux qui vont vous recevoir. C'est le minimum, mais ce minimum-là est une quelques vraiment éléments pour la construction de la paix avec autrui, avec le voisin, avec l'environnement. Et en plus, vous savez que l'espionnage ne date pas d'aujourd'hui. L'espionnage aussi, même au moment des Romains, il y avait déjà l'espionnage. Alors, le Coran dit, n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres, car c'est mauvais pour les relations humaines. Vous voyez, c'est des petites choses, mais des petites choses qui ont un sens pratique. Parce que les théories, il y a des livres pleins de théories, mais ce sont quelques éléments qui peuvent vraiment faire avancer la culture de la paix. Autre chose, c'est que parfois on dit que là, il faut épouser, si quelqu'un épouse l'islam, il n'a plus le droit de renier. Et d'autre part, il faut qu'il avec obligation, c'est une obligation puisqu'il est en Arabie, alors il faut qu'il soit musulman. Non, nulle contrainte en religion. C'est ça là, la base. La base, c'est que si Dieu voulait que nous tous, tout le monde soit chrétien ou juif ou musulman, il aurait pu le faire. Mais s'il nous a donné le choix pour cette diversité, parce qu'avec la diversité, on peut peut-être créer des liens entre nous. Mais si c'est monocolore, alors ça peut être, quelle que soit la couleur, on a toujours besoin d'autres couleurs pour soutenir. L'essentiel pour l'islam, c'est que en matière de tolérance, il faut essayer d'être tolérable, il faut tolérer pour construire cette paix. La paix signifie l'adoption de la droiture dans le dialogue avec les autres sur des bases du respect, de la dignité humaine et dans un climat de paix et de sécurité. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment quelque chose de facile. C'est une véritable valeur grandiose à l'échelle humaine. Pour construire cette paix, il faut quand même préserver certaines choses. La fraternité humaine, la considération de l'autre, faut le considérer. Il ne faut pas vraiment bafouer le respect de l'autre. L'égalité entre les hommes, l'égalité entre la femme et l'homme, parce que chacun d'eux, il a une responsabilité, il doit vraiment tenir ce pesanteur de la vie humaine. Et l'équité des rapports avec les autres. Tout ça, ce n'est pas faisable d'un coup, mais c'est tout doucement. C'est un apprentissage, c'est une construction. Alors, on dit que si Dieu l'avait voulu, que tous ceux qui sont sur terre auraient cru, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Ça, c'est Dieu parle au prophète, dit...
on ne t'envoie pas pour forcer les gens à prendre l'islam. Non, il faut laisser aux gens la liberté de choisir. Il faut le laisser à penser. Ces gens doivent penser. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Il a dit, c'était encore une sourate, c'est que Dieu dit, il a honoré l'homme, d'Adam, les fils d'Adam. C'est sous l'honneur que Dieu a donné à l'homme est grandiose. Et s'il incline à la paix, alors là, on a parlé des guerres, on a parlé des conflits en Arabie avec les Canadiens, mais il dit, et s'il incline à la paix, inclinez-vous vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est toujours cette guerre entre les tribus qui était pesante en Arabie. Et à chaque fois, on trouve dans les sourates quelques éléments pour réduire les conflits et construire la paix entre les tribus. Et comme vous le savez, que le prophète a été plus ou moins chassé. Et lorsqu'il est revenu à Médine avec de nouveau pour la construction, ce n'était pas facile pour lui et pour ses... Il y a eu quand même pas mal de morts. Peut-être je dois conclure. En conclusion, nous pouvons dire que ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa capacité de pardon pour la paix universelle, la construction de la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, la paix, l'amour, le respect, la tolérance et la liberté sont l'essence de l'islam. Et je vous remercie. D'enseignement sur la paix en action, sur le vrai dialogue interreligieux qui éclaire l'une et l'autre, des foi et des espérances. Tout est un. Réfléchir sur les conditionnements, comme nous y avons été invités ici, et les comprendre. Prendre le dans la continuité. Encore pour citer Lao Tzu, un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance. Une pensée exprimée avec bienveillance engendre la profondeur. Je vous invite maintenant à la partie interactive de notre programme et demande à Laurent Ladouce, Monsieur Laurent Ladouce, d'animer cette session. Il est chargé de recherche auprès de la Fédération pour la paix et directeur du site Culture et Paix. Bonjour à tous, bonne année, très heureux de vous retrouver. Alors on a eu quelques questions qui sont arrivées. La plupart sont arrivés vers la fin. Alors, je vais afficher mon écran et puis je vous demande de répondre très, très vite aux orateurs. Répondez très, très brièvement. Il y a d'abord... est-ce que vous voyez là? Oui. Une question de Laure Doulancé à Jean-François Moulinet. Pouvez-vous donner quelques exemples de paix positive ou active? Comment passer de la paix passive à la paix active? Monsieur Moulinet, une minute pour répondre. Oui, je vois sur mon écran, je vois les questions, mais on n'entend pas Laurent. Ah bon ? On m'entend pas ? Voilà, là c'est bon, ouais. On t'entend maintenant. Ouais. D'accord. Donc la première question, si j'ai bien compris, c'est pouvez-vous donner quelques exemples de paix positive ou active ?
Justement, on est en train de traduire les 12, les 12 bonnes habitudes, si vous voulez, pour construire la paix. Et on voit donc qu'il y a des attitudes qui sont plutôt actives, c'est-à-dire faire des choses pour la paix. Par exemple, si je regarde la créativité ou même l'humilité, l'empathie, générosité, la curiosité, l'hospitalité, ça, ce sont des actions positives à faire, tandis qu'il y en a d'autres, par exemple le repentir, ou d'autres, c'est le pardon, c'est plus, c'est pas négatif, mais c'est plutôt passif, quoi, plutôt passif, je pense. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant pour nous. Oui, merci beaucoup. Alors, comme on a plusieurs questions, on va donc passer à la suivante. Vous m'entendez? Oui. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont été intéressées par la présentation de Michel Taotchan. On va commencer par une question de Madame Ilona Dodou. Quelles sont pour vous les actions concrètes, prioritaires à mener pour la paix en 2023? Vous avez une minute pour répondre, pas plus. J'ai pas de conseils à donner. Dans le doctorat La paix qu'on a créé, toutes les thèses doivent être appliquées pour un pays ou pour un phénomène, c'est-à-dire la construction de la paix. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est lorsque j'ai vu déjà Jean-François Moulinier, qui a donné cette phrase, cette réflexion de Lao Tzu, c'est très pragmatique. C'est l'esprit et le corps, l'action et les conséquences, responsabilité de soi, responsabilité avec les autres, responsabilité avec les nations. Merci Après, pour beaucoup. ceux qui essayent de le rendre pragmatique, je crois que ça doit partir réellement de l'intérieur de la paix en soi pour que ce soit très pratique et il faut pratiquer tous les jours. Oui, merci Vénérable. Une autre question pour vous tout de suite, on enchaîne. Restez là, s'il vous plaît. Non, restez, 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 s'il vous plaît. Oui. Alors, toujours une dame, hein? Agnès Curcio. Pourrait-on lier l'idée de la paix en action à une exigence de perfectionnement de soi-même? Une minute encore. Cette notion-là, je crois que il faut prendre une décision très rapide dans notre tête. Il n'y a pas de plan A, il n'y a que le plan A. Il n'y a pas de plan B. Si vous commencez à discuter sur les doutes de le plan B, etc., vous n'irez jamais. Vous êtes très intelligent, mais quelqu'un qui est très intelligent, il essaye de résoudre un problème. Quelqu'un qui est moins intelligent comme moi, avec un peu plus de sagesse, ben, il essaye d'éviter le problème, il essaye d'éviter de créer des problèmes et il va directement au but. D'accord. Alors, restez encore un peu. Non, restez encore un tout petit peu. Alors, toujours pour vous, de Gonzague Moron. Mon père, bouddhiste pratiquant du zen, suivait le maître Deshimaru. Il mêlait parfois de sa croyance. Je n'ai pas tout compris. Ma question, le Satori est-il l'illumination suprême? Comment comprend-elle la paix de soi et est-elle à apporter la paix dans le monde? Allez, on vous donne 1 minute 30. Voilà. La réponse est très simple, hein, très pragmatique pour moi. Souvent, on dit qu'on est trop petit, on a fait la paix en soi, et qu'est-ce qu'on peut partager avec le monde extérieur? Essayez, celui qui pose cette question, essayez d'aller dormir dans une mousquetaire avec un petit moustique à l'intérieur qui fait la loi et qui influence sur l'autre. Merci beaucoup. Alors, nous avons maintenant une question de Pierre Amalian qui s'adresse, je pense, à tout le monde et qui concerne l'actualité brûlante. Alors, je ne sais pas qui va vouloir répondre. Ne doit-on pas prendre position contre cette abomination de guerre en Ukraine? Nos silences sont complices. C'est le sens ultime de ma question. Amour, oui.
mais il nous manque l'esprit et sa force. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Eh bien, je pense que Monsieur Awad s'est porté volontaire. C'est une question vraiment stratégique. Et comme vous le savez, pourquoi cette guerre a eu lieu? Est-ce que Poutine, certes, je suis contre la guerre, mais il était poussé. Et poussé par qui? Mais tout le monde déjà est au courant qu'il y a eu un acte international entre les Occidentaux et la Russie, autrefois, pour ne pas faire l'ingérence et laisser les satellites de la Russie tranquilles. Là, le NATO, il y a eu vraiment un arsenal de guerre et au point que les Soviétiques ont eu peur de laisser faire. Parce que s'ils laissent faire, il y aura peut-être dans quelques années une guerre beaucoup plus risquée, non seulement pour l'Europe, mais pour l'international. Parce que on est devant un arsenal nucléaire. Espérons qu'on n'arrive pas à l'éclatement du nucléaire. Mais donner de la, de la donner, envoyer de l'armement de nouveau, ce n'est pas une solution. Il faut essayer de négocier et négocier à tête reposée et non pas négocier par la force des choses. Merci. Alors, Monsieur Awad, on va vous demander de rester au podium puisque vous avez maintenant une question qui vient des Hauts-de-France. Alors, je ne sais pas exactement qui la pose, une question peut-être collective. Voici la question. Les pensées et les habitudes conciliantes peuvent-elles se passer d'armes défensives pour créer et garder la paix? Vous savez, l'arsenal défensif dans ce contexte international est un peu risqué. Et il faut, comme je vous ai dit, essayer de plus ou moins laisser tomber les armes. Tant qu'on va essayer de mettre l'évidence des armes, la présence des armes, on n'arrivera pas à la paix. Il faut essayer de faire taire les armes, mais ne demandez pas à Poutine de faire taire ses armes. Il faut que ça soit de l'autre côté pour arriver à négocier avec Poutine. Parce que vous voyez, l'arsenal est grand. Et d'autre part, il faut penser aussi à la guerre des étoiles. Autrefois, comment ils ont perdu la guerre des étoiles avec les États-Unis? Et ils savent déjà pourquoi il y a eu cet échec international. Bon, cette fois-ci, ils ont quand même pris comme sorte de leçon. La leçon d'aujourd'hui pour la paix, c'est la négociation. La négociation internationale sous l'égide des Nations Unies. Il n'y a pas d'autre solution. C'est les Nations Unies doivent assumer aujourd'hui cette responsabilité, parce que elle est là pour régir la paix dans le monde, et non pas pour le dialogue et pour les conférences entre eux. Il faut assumer la responsabilité de la paix internationale. C'est à part. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, docteur Awad. Voilà, on est obligé d'aller un petit peu vite parce qu'on arrive vers la fin du programme. Écoutez, c'est la dernière question. Elle est posée par monsieur Jacques Huen, donc à Jean-François Moulinet. Est-ce que le verset biblique « Aime ton Dieu et aime ton prochain » peut résumer tous les écrits de sagesse sur la culture de la paix? Voilà, on va demander à monsieur Moulinet de Donc, venir. courtement, je pense que oui. Et
Bon, ce qui est intéressant, c'est que toutes les religions conduisent à la paix, mais la particularité actuellement, c'est que toutes les religions se rencontrent. Donc nous, ce que nous voulons faire ici, avec le partage scriptural, c'est justement nous stimuler, nous encourager les uns les autres. C'est comme M. Awad nous a dit tout à l'heure, le meilleur, c'est celui qui est le plus pieux. Donc pour moi, d'être avec des personnes d'autres religions, ça me stimule en fait. Et le travail qu'on fait justement avec les Écritures, ça me stimule beaucoup parce que je me dis, mais c'est incroyable quoi. Si des bouddhistes pensent ça, si les musulmans pensent cela, ben je dois être aussi bon qu'eux quoi en fait. Voilà. Donc oui, je pense que oui. D'accord. Est-ce qu'on a du temps pour une toute dernière question qui est arrivée ou pas? Par qui? Alors, une question générale de Madame Solène Colombel. Comment les intervenants gèrent-ils les attitudes autoritaristes? Parviennent-ils à créer plus de transparence et de respect dans les relations? Des exemples précis sont les bienvenus. La question vient d'arriver, je n'ai pas eu le temps de l'écrire. Comment les intervenants gèrent-ils les attitudes autoritaristes? Parviennent-ils à créer plus de transparence et de respect dans les relations? Des exemples précis sont les bienvenus. On comprend pas trop la question ici, on n'entend pas trop bien la question. Ah, vous n'entendez pas? Ah oui. Comment les intervenants gèrent-ils les attitudes autoritaristes? Parviennent-ils à créer plus de transparence et de respect dans les relations? Des exemples précis sont les bienvenus. Vous comprenez? Non? Moi, je voulais répondre à une question très pragmatique sur la guerre. La guerre à l'Ukraine, peut-on intervenir ou pas? Comment on fait la paix, etc. Je vous réponds très, très, très clairement. La guerre en Ukraine, c'est une guerre très moderne. Autre que les guerres classiques, on a ajouté ce qu'on appelle la guerre des médias, la guerre des choses que nous ne maîtrisons pas. Et en tant qu'individu avec une paix paisible et qui sans action, nous pouvons rien faire autre que des commentaires qui ne font qu'accentuer la guerre et non pas la paix à l'intérieur de nous. C'est pour ça que j'ai dit la notion de guerre, l'opposé de la guerre, c'est pas la paix, c'est l'innovation. Parce qu'avec l'innovation, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous encourage à aller plus loin avec notre esprit de paix. C'est également l'espérance qu'il y a quelque chose. Arrêtez la guerre, ne pensez pas. La guerre continue toujours, depuis toujours, il y a toujours la guerre. Comment vous allez vous arrêter, les gens qui fabriquent l'armement, les fusils ou autres? Arrêtez de travailler. Non, il ne faut pas. Donc, ne pensez pas de faire la guerre. L'ONU, c'est très bien. C'est la seule institution aujourd'hui qui essaye de faire quelque chose. Mais l'ONU ne résout rien. La guerre continue. Maintenant, innovez, travaillez avec votre espérance de ce que vous avez fait, avec votre esprit de paix. Là, je crois qu'on peut changer quelque chose. Merci beaucoup. Eh bien voilà, la session de questions-réponses s'achève ainsi. Il est presque l'heure de clore le programme, je crois. On va demander à M. Moulinet de conclure, peut-être. Il m'a demandé de venir vous le Ah, pardon. dire. Excusez-moi. Donc, juste un dernier mot de Lao Tzu. Celui qui dirige les autres est peut-être puissant. Celui qui dirige lui-même l'est plus encore. Venez, Monsieur Jean-François Moulinet. Merci beaucoup. Donc j'ai quelques diapositives pour terminer, pour un peu faire le pour le voilà pour le dur. Alors je veux remercier tous ceux qui ont participé, qui ont aidé à cette la réalisation de cet après-midi, particulièrement Monsieur Awat,
Parce que normalement, c'était Monsieur Fidaouzen qui devait venir nous parler cet après-midi. Et ce matin, il a dû être amené aux urgences à Besançon. Bon, j'espère qu'on va prier pour lui, pour qu'il aille bien. Mais Monsieur Awad tout de suite a répondu oui. Le Vénérable Michel Taochan, la Chorale du Nouvel Espoir, vraiment, ils ont fait un très beau travail. On doit vraiment remercier le Congo et tous les autres, Soraya et tous les autres qui ont travaillé, et particulièrement nos partenaires. Donc, nos différents partenaires. Donc, comme toujours, on vous rappelle notre site, Texte sacré du monde, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de thèmes, des textes sacrés de beaucoup de thèmes. Vous trouvez aussi notre adresse email, donc dialogue-alliance@gmail.com. Donc, j'espère que vous pourrez nous écrire, nous dire si ça vous intéresse. Est-ce que vous êtes intéressé par les thèmes dont on veut parler cette année. Dans 2 jours, je pense que je vous enverrai un petit résumé de tous les points et vous me direz si ça vous intéresse ou pour qu'on le réalise. Donc, vous avez nos amis suisses qui sont extrêmement actifs également. Donc, eux, nous, on fait une fois par mois. Eux, ils font une fois par semaine le jeudi soir. Non, le lundi soir, sauf les semaines où nous on fait. Par exemple, demain soir, il n'y aura pas en Suisse. Mais autrement, ils font tous les lundis, ils font un échange scripturaire. Et puis aussi, donc, le 28 janvier, ils auront une formation continue des ambassadeurs de paix. Donc, c'est pour ceux qui veulent devenir ambassadeurs de paix. Et le 25 février, non, là c'est une formation, le 28 janvier, c'est une formation plutôt avancée. Le 25 février, c'est la formation de base. Mais essayez de vous renseigner auprès de la Suisse. Aussi, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Martin Luther King. Donc, c'est le 94e anniversaire. Donc, je pense qu'on peut penser à lui, parce qu'il est un bon exemple de personne qui a travaillé pour la paix. Parmi les dates à retenir, du 18 au 25 janvier, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le 22 janvier, c'est-à-dire dans une semaine, on rentre vraiment dans l'année du lapin noir, du gentil lapin noir. Donc, je vous souhaite encore une bonne année. Et notre prochain rendez-vous, donc, ça sera le 19 février, le dimanche 19 février. On va essayer de faire toujours le troisième dimanche de chaque mois, donc le 19 février. Et là, on abordera une des premières habitudes qui sera celle de l'hospitalité. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie en particulier ceux qui sont très loin. Je ne sais pas si on peut voir un petit peu sur l'écran, parce qu'on a des personnes au Congo, des personnes au Mali. Tout à l'heure, quand Monsieur Awat parlait, il a cité une phrase qui est nulle contrainte en religion. Donc, ça, je pense tout de suite à un de mes amis au Mali, je pense, qui est allé à cette réunion et qui participe aussi, parce que c'est vraiment sa sourate, c'est vraiment le verset qu'il aime beaucoup, nulle contrainte en religion. Voilà. Mais essaye de nous montrer, peut-être, si tu peux. Le Congo, le nord de la France, le Mali, la Suisse. En Suisse, ils sont dans 2 endroits aussi. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes tous très beaux. Donc là, c'est où? Là, c'est le. Où ça? Où? Congo. Bravo le Congo. Merci. Est-ce qu'il y a le Mali aussi, par exemple, le Mali ou la Suisse? Oui, le Mali, voilà, Mali. Donna, c'est le Mali. Je vois le Liban aussi, je vois Maggie du Liban en haut. La Suisse, je vois, en tout cas Chantal à Bienne.
Bonjour Magui du Liban. Très bien. En tout cas, bonne semaine de paix à tous. Il y a aussi le chat qui est présent. En tout cas, merci beaucoup.